trois pots sur Gaël sur la rue du Rhum parce que cela fait 20 ans qu'on existe sur les dom-toms et on voulait partager cette action avec le Coquelin dans un but précis parce qu'il défend notre engagement et puis dans son action, il défend aussi la meilleure pour tous qui est pour nous un moment bien déterminé pour le petit Guadeloupéen qui habite sur l'île et qui ne profite pas assez de la mer. En fait, le partenariat est né tout simplement par une relation commune, c'est-à-dire Gérard Lopinto qui évidemment est aujourd'hui aux côtés de Pro à Pro. Et en fait, on s'est rendu compte que dans nos métiers respectifs, on partageait des valeurs d'engagement, des valeurs de sérieux, puis aussi de professionnalisme. Donc on est venu à finalement se dire, ce serait bien qu'on fasse un projet commun sur la route du Rhum 2018, puisque j'ai décidé il y a quelques mois de repartir pour une sixième fois. Et voilà, c'est autour de ces valeurs finalement qui nous réunissent que le partenariat est né. Les derrains qui ont été proposés sur le bateau, c'est des plats, des salades déjà toutes prêtes, des plats pertisés à base de thon, de sardines, de maquereaux, et puis des saucisses. Donc des trucs qu'il ne faut pas réchauffer et qu'il peut utiliser à n'importe quel moment lors de la traversée, même s'il y a un mauvais temps. Ben, je pars aujourd'hui parce que en fait j'ai fait une bonne partie de la préparation en Guadeloupe. Ça me permet d'aujourd'hui traverser l'Atlantique pour emmener le bateau en Europe. Arriver à Lorient, puisque je vais à Lorient en Bretagne, je sortirai le bateau de l'eau pour faire la partie on va dire sous-marine du bateau. Après je vais prendre livraison des voiles neuves, recommencer les entraînements au mois d'août, septembre, de façon à bien me caler pour le départ. Je me garde octobre si jamais on avait des petits retards en livraison ou des petits travaux encore à faire en plus. Et fin octobre, j'arriverai à Saint-Malo, comme le veut le règlement, 10 jours avant le départ. Là, pour le dernier contrôle de course et on va dire les derniers briefings. Bon voilà, moi j'ai pris des petites salades comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà la dose, ça me paraît très bien pour des grignotages. On fait jamais de gros repas quand on est tout seul parce qu'il y a toujours un effet de sieste qui est un petit peu compliqué à gérer. Donc on préfère, comme on fractionne le sommeil, on fractionne aussi les repas. Et en fait, ça me va très bien pour les parties tropicales, hein, quand il fait chaud. J'ai pas spécialement envie de manger des plats chauds. Et là, c'est vrai que c'est rapide en préparation. Il y a juste ouvert la boîte et je prends ma petite fourchette en plastique. C'est pas compliqué, j'aurai pas de vaisselle à faire. Évidemment que l'emballage restera à bord, hein, puisque nous, les skippers, on est quand même sensibilisés à l'écologie. Donc évidemment, tous les emballages vont revenir à terre. Je vais faire des poubelles bien compactes, bien sèches. Pour nous, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que ce genre de salade, pour moi, c'est assez pratique pour les parties où il fait relativement chaud. Alors, un de mes favoris, faut que je l'avoue quand même, j'aime bien aussi prendre un petit café instantané, et puis j'aime bien manger un petit gâteau, c'est souvent la base de mon petit déjeuner, avec en plus quelquefois des céréales, des choses comme ça, mais ça c'est vraiment important pour le matin. Comme j'ai pas la possibilité d'emmener des fruits on va dire naturels, je prends des compotes, des choses comme ça, pour prendre un petit peu d'énergie et de fibres. Donc ça va bien me plaire aussi, idem, pas de complications pour la préparation, c'est des doses individuelles. Il faut bien voir que sur les bateaux comme ça, on n'a pas de froid. Donc je suis obligé de prendre des doses individuelles parce qu'en fait une dose qui serait trop grande, je vais en perdre la moitié. Évidemment pour agrémenter mes petites salades et pourquoi pas un poisson volant qui viendrait se perdre sur le pont parce que ça arrive aussi dans la partie tropicale. J'ai quand même une petite gamelle aussi pour cuire des poissons qui viendraient sur le pont le matin. On fait un petit tour et on réussit à récupérer quelques poissons. Pourquoi pas une petite salade pour agrémenter. Les pâtés. Évidemment, hein, parce qu'en fait, c'est pareil, ça fait partie des grignotages et ça vient en complément, à la limite, des petites salades pour un repas du midi ou du soir. Donc les petits pâtés, ça va bien me servir aussi. Pareil, en dose individuelle, c'est bien pratique.
Les jours, on a certains jours, on a vraiment du mal à manger parce que ça bouge trop. On a du mal à quitter la barre parce que le bateau, il faut le tenir, c'est pas évident. On a besoin d'énergie, on va dire régulièrement. Donc dans les poches de ma veste et de mon ciré, il y aura sûrement des fruits secs. Justement, ce format-là, c'est pareil. Ça me fait des petites doses, on va dire pour une heure ou pour deux, donc ça sera parfait. Et puis pour agrémenter le tout, un petit sachet de sucre, bien sûr, un petit peu de poivre, un petit peu de sel, et voilà, le tour est joué. Après, je ne vais pas vraiment prendre l'apéritif, mais j'aurai quand même de temps en temps tendance à lever mon verre, même si c'est un verre d'eau, et je prendrai quelque chose comme ça pour agrémenter mon apéro. Ce sera évidemment de l'eau, mais je penserai à vous en tout cas. Merci. Aujourd'hui, on est avec lui pour lui souhaiter un bon courage pour la traversée jusqu'à Saint-Malo. Et on espère qu'il va arriver après le départ du 4 novembre, vers mi-novembre, en faisant une très belle traversée avec une voile écrite dessus, Poirot.